There's a nail in the door and a glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. Coucou, c'est Elodie, Meeting Journey sur les différents réseaux sociaux. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va être un peu particulière. On va pas être sur un format vlog ou podcast classique. L'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de la boîte de bas que j'ai réalisée pour l'année 2023. De parler également de mon stage de laine en laine à chaussettes et des ouvrages que j'ai envie de réaliser pour ma boîte de bas de 2024, donc de celle de l'année prochaine. Si vous arrivez sur cette chaîne aujourd'hui, bienvenue. Vous trouverez différents contenus liés au tricot, donc n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous intéresse. Et puis vous pouvez me retrouver également sur Instagram. Et si jamais vous avez envie d'avoir des informations sur des ouvrages que je présente, n'hésitez pas à aller voir ma page Ravelry sur laquelle vous trouverez toutes les informations liées aux laines choisies, aux modèles, etc. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le principe de la boîte de bas, c'est un concept qui a été lancé il y a pas mal d'années déjà, je pense que ça devait être en 2018-2019, par Marie-Christine Lévesque. L'idée de ce concept, c'était que tout au long de l'année, il fallait tricoter des paires de chaussettes qui n'étaient pas portées, les mettre dans une boîte et ouvrir cette boîte uniquement à la fin de l'année et porter les chaussettes l'année suivante. Ça permettait du coup d'avoir tout de suite un stock de chaussettes un peu important et de ne pas les abîmer au fur et à mesure de l'année. Donc c'est la première fois que je tricotais une boîte de bas l'année dernière, puisque je me suis mise à tricoter des chaussettes il y a 2 ans, je dirais. Ça m'a vraiment plu de faire ça. Comme j'ai déjà quelques chaussettes tricotées, je les ai portées tout au long de l'année, donc j'ai pas eu trop de frustration de ne pas porter celle-ci. Et du coup, ça m'a permis aussi de temps en temps d'ouvrir ma boîte de bas et de la regarder et puis de me dire oh, j'ai tellement hâte d'être l'année prochaine. Mais donc voilà, donc je vais commencer par vous la montrer tout de suite. Donc ici, vous avez les différentes chaussettes que j'ai tricotées cette année pour moi et destinées à la boîte de bas. Il y en a 8, donc au final, je suis plutôt contente parce que 8 paires de chaussettes en un an, ça veut dire... pas mal de chaussettes quand même, parce que j'en ai tricoté également quelques-unes pour mon chéri. Je crois que j'en ai fait 3, si je dis pas de bêtises. J'ai fait 3 paires pour mon chéri cette année. Donc j'ai quasiment fait une paire de chaussettes par mois en moyenne, en sachant que j'ai pas tricoté sur une grande partie quand même du milieu d'année, c'est-à-dire de juin à fin septembre, quoi, à peu près. Donc je vais vous les présenter par ordre chronologique en vous indiquant les laines que j'ai utilisées, les informations sur le design, et puis je vous parlerai un peu des différentes constructions quand il y a des constructions un peu particulières. J'ai un peu de tout dans cette boîte de bas. J'ai des chaussettes en jacquard, j'en ai 3, 4 même. J'ai une auto-rayante très classique, j'ai une auto-rayante un peu plus travaillée avec de la dentelle. Et j'ai 2 paires de chaussettes en épaisseur plus importante, c'est-à-dire une en déca et une en sport. Voilà. Donc, pour commencer par ordre chronologique, la première paire de chaussettes que j'ai finie sur l'année 2023, c'est mes chaussettes de Noël. Donc, c'est un patron de Lysandre, Lysandre Ourdin, que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Ce qui est trop bien, c'est que maintenant que je vais pouvoir filmer avec ma caméra, et non pas avec mon portable comme je le faisais avant, je vais pouvoir jeter un coup d'œil à Ravelry pour vous donner des informations plus précises, et ça c'est quand même pas négligeable. Donc c'est des chaussettes que j'ai finies sur l'année 2023, je les ai réalisées en taille 64 mailles. C'est une paire de chaussettes en jacquard que Lysandre avait sorti pour l'occasion de Noël l'année dernière. Je les ai tricotées en aiguille 2,5 comme c'est du jacquard, parce que normalement les chaussettes je les tricote en aiguille 2,25. Et j'en profite pour le dire, parce que je ne sais plus si j'avais dit ou pas, moi toutes mes chaussettes je les tricote en Magic Loop. J'ai beaucoup de mal à tricoter en mini parce que ça me fait extrêmement mal aux mains. Donc en fait je tricote toutes mes chaussettes en Magic Loop et la plupart du temps en aiguille de 25. Sauf jacquard où c'est un peu plus spécifique. J'ai utilisé 3 laines de chez Javol, donc 3 coloris différents. De chez Lang, pardon. J'ai utilisé 3 fois de la Javol de chez Lang, c'est mieux dit comme ça, dans 3 coloris différents. Donc le premier coloris qui est le rouge, c'est le coloris 61. Le coloris blanc, c'est le coloris 94. Et le vert émeraude, c'est le 318.
J'ai utilisé donc pour le. J'ai changé un petit peu par rapport au modèle de Lysandre. En fait, ce que j'ai changé, c'est que de mémoire, son talon, elle le fait dans le coloris principal, donc dans le vert. Et il me semble par contre que c'est les seules modifications de couleur. Non, l'autre modification de couleur que j'ai faite également, c'est que il y a un endroit où normalement on fait du jacquard à trois couleurs et j'avais pas envie de le faire. Donc, il y a un endroit où j'ai supprimé du rouge, mais je ne sais plus où c'est. Très précis, hein. Au niveau de la laine, elle est vraiment très douce. Honnêtement, la Javol de chez Lang en rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment très douce. Je l'ai rasée une fois, juste parce que comme c'est du jacquard, les petites fibres faisaient que ça mélangeait un petit peu les motifs. Mais bah, je vous dirai après au porté, hein, je dis tout ça, mais je ne les ai pas encore portées. Mais honnêtement, la définition du point, je la trouve vraiment géniale. Je sais pas si le zoom se fait comme il faut, vu que c'est la première fois que j'utilise la caméra. Et donc, vous voyez, la définition du point, c'est vraiment top. Sinon, que vous dire d'autre sur ces chaussettes? J'ai vraiment pris énormément de plaisir à les tricoter. On les démarre par les côtes, donc c'est des côtes classiques, il me semble. Ouais. C'est des côtes classiques. D'abord, on fait un German Twisted Caston en montage. On fait ensuite donc un certain nombre de rangs de côtes. On attaque avec le jacquard. Donc c'est des petites tuiles. Ensuite, on a plein de petits motifs différents, des petits cœurs, des petits bretzels, des cannes à sucre. Pas des cannes à sucre. Comment on appelle ça déjà? Mince, j'ai mangé le mot. Bon, de toute façon, vous voyez à l'écran des petites flèches. Voilà, l'idée c'est d'avoir que des petits dessins dans la thématique de Noël. Pour un premier jacquard, je le conseillerais peut-être pas forcément, quoique je crois qu'il y a peu d'endroits où on croise les fils au final. Bah, il y a 2-3 rangs où on croise les fils, d'ailleurs ça se voit parce que je les ai pas croisés, j'aurais dû. Et par exemple ici, je sais pas si vous allez bien voir, je me cache. À cet endroit, la première maille, elle est pas top top. Mais c'est pas un jacquard qui est non plus trop compliqué. La petite particularité, c'est au niveau du talon, puisque c'est un talon à gousset, donc un talon renforcé à gousset, c'est-à-dire qu'on va avoir une maille glissée, une maille tricotée au niveau du talon pour le renfort. Et au niveau des diminutions du gousset, en fait, les diminutions, on ne les fait pas à chaque extrémité de la chaussette, ici, ici, comme c'est le cas souvent, on les fait à l'arrière de la chaussette. Et c'est ce qui crée ce motif-là. Donc voilà, super modèle de chaussette. Rien à dire sur les explications du patron qui étaient très très claires. J'ai déjà tricoté quelques modèles de Lysandre. Vous verrez, il y en a pas mal au final dans ma boîte de bas. Il y en a 4 quand même sur 8. Et honnêtement, voilà, à chaque fois les patrons sont clairs, rien à redire. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai très hâte de pouvoir les porter du coup. Donc voilà pour la première paire de chaussettes. Deuxième paire de chaussettes que j'ai terminée dans l'année. C'est une paire de chaussettes également en jacquard. J'étais partie dans ma lancée une fois que j'avais fait les chaussettes de Lysandre. Je me suis dit, c'est trop bien le jacquard, faut que j'en fasse d'autres. Et donc j'ai tricoté des chaussettes d'une designeuse qui est polonaise, qui s'appelle Karolina Adamczyk. C'est le patron Under the Sea. Donc je les avais repérées, j'avais eu un gros coup de cœur parce que je les ai trouvées vraiment trop trop mignonnes. En fait, c'est des chaussettes qui ont la particularité... Bon, déjà d'être en jacquard tout le long, mais d'avoir une queue de baleine ou de sirène. Je sais pas trop ce que c'est. Donc il y en a une qui est positionnée en haut, juste en dessous des côtes, et une autre qui est positionnée juste avant la pointe de la chaussette. Donc je vous insérerai une vidéo des chaussettes portées. J'essaierai de faire ça et de l'insérer peut-être ici, ou de l'insérer au fur et à mesure que je parle. Je vais voir pour que vous puissiez les voir portées, puisque là du coup je vous les présente. Sans blocage, sans bloqueur à chaussettes en plus. Donc c'est des chaussettes qui se tricotent également en démarrant par les côtes. C'est des côtes classiques, pareil, il n'y a pas beaucoup de côtes sur ce modèle. On commence par les côtes, on va tricoter donc tout du long un motif écaille au niveau de la chaussette pour du faire le jacquard. Ensuite, on va faire toujours un talon renforcé à gousset. La seule particularité, c'est que le renfort, elle le fait également en dessous du pied. Donc ça, c'était la première fois que je faisais ça.
On va voir au porté si c'est vraiment confortable. Je suis un peu sceptique. Ensuite, donc, on continue le motif écaille. On a le jacquard qui a ce motif donc sur chaque chaussette, comme je vous l'ai expliqué. Et au niveau de la pointe, c'est le même principe. C'est une pointe renforcée, donc avec des mailles glissées, des mailles tricotées. Pareil, je vais voir ce que ça donne au niveau du porté. Là, j'ai vraiment suivi les instructions du patron. Je trouve que la pointe, elle est un peu courte par rapport à celle que je fais habituellement. On va voir au porté si ça me plaît ou pas. Celles-ci, je les ai tricotées. Je pense que je les ai faites également en aiguille 2,5. Non, j'ai fait les côtes en aiguille 2,25 et le jacquard en aiguille 2,75. En sachant que sur celle-ci, j'ai fait du jacquard tissé. Donc c'est une technique que j'ai découverte grâce à Olivier au Kill Tricot et une vidéo de Valpolicella Knitting. Et donc c'est l'avantage du jacquard tissé en fait, c'est que du coup il n'y a aucun fil qui va dépasser. Par contre, ça fait un tissu qui est quand même beaucoup moins souple. Mais l'avantage pour les chaussettes, je trouve, c'est qu'on risque pas de s'accrocher les pieds dans les mailles. Donc c'est pas mal. Le jacquard que j'ai fait, j'ai oublié de préciser, mais le jacquard que j'ai réalisé sur les chaussettes de Lissandre, par contre, c'est un jacquard classique avec des croisements de fil si nécessaire. Mais sinon, je faisais suivre le fil comme ça. Et on voit qu'au niveau du tissu, du coup. C'est quand même beaucoup moins élastique et la matière est moins dense. En plus, c'est moins épaisse quand vous faites un jacquard comme ça par rapport à un jacquard tissé. Que vous dire d'autre sur ces chaussettes Under the Sea? J'ai utilisé, ah oui, au niveau des laines, j'ai utilisé un reste. Non, c'était pas un reste. Le gris, j'ai démarré en écheveau que j'avais. Que j'avais acheté à petits bouts de laine sur la liquidation qu'elle avait faite quand elle avait arrêté son activité de teinturière. Donc je lui avais pris un écheveau dans un gris classique. Et pour le coloris principal, ça par contre c'est une merveille de chez Arco Iris, donc Ludivine. C'est le coloris, que je vous dise pas de bêtises, Laliebroc. Donc c'était un coloris qu'elle a sorti sur la collection Outlander, si jamais vous connaissez la série. Et donc c'est un très beau varié de bleu, de vert, de marron, c'est vraiment magnifique. Et je m'étais dit que pour ces chaussettes, c'était vraiment un coloris idéal, puisque l'idée était de représenter les profondeurs marines. Voilà. Donc pour ces deuxièmes chaussettes que j'ai réalisées sur 2023, je pense que c'est peut-être bien mes préférées sur l'aspect visuel, elles sont vraiment belles. Et alors, c'est un jacquard qui est peut-être un petit peu plus compliqué. Notamment sur la partie où il y a besoin de faire la queue de baleine, sirène, je sais pas trop ce que c'est. Parce que du coup, il faut bien garder le nez sur la grille, mais techniquement, il n'y a rien de très très compliqué, hein. Ensuite, paire de chaussettes suivantes. C'est à nouveau un patron de Lissandre. Donc, c'est des chaussettes que j'avais tricotées pour elle en test. C'était quand que je les ai démarrées? En avril. Je les avais finies dans la foulée. Alors je dis finies, mais elles ne sont pas finies à 100% en réalité parce que je suis censée faire un duplicate stitch que je n'ai toujours pas pris le temps de faire. Mais donc c'est des chaussettes Omar. C'est un patron qu'elle a sorti avant l'été. Patron avec un petit peu de jacquard, beaucoup de jersey. Et donc c'est un patron que vous pouvez retrouver sur Ravelry avec trois grilles de jacquard différents. Moi, j'avais fait la version homard, il y a une version avec des crabes et il y a également une version avec des cabines de plage qui est très sympa aussi. Toujours des ch chaussettes qui se tricotent du haut vers le bas. On commence par des côtes semi-torse. Ensuite, on a la partie jacquard avec donc les petits homards trop trop mignons. Ensuite, on passe sur le coloris principal avec des petits motifs de vagues. Et puis, on tricote en jersey, talons renforcés à gousset, donc la même chose que les chaussettes de Noël. Et on continue jusqu'à la pointe, donc pointe classique avec diminution de chaque côté. Au niveau des laines, pour ce patron-là, j'ai utilisé le gris, il me semble que c'est le petit bout de laine aussi, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. J'avais utilisé la suite de mon écheveau de petits bouts de laine. Le rouge, c'est mon reste de la javole de mes chaussettes de Noël, justement. Donc c'est le coloris 61. Et le bleu, par contre, c'était comment on appelle ça déjà? C'est le 1er janvier aujourd'hui. Pourtant, je ne suis pas rentrée trop tard hier, mais j'ai du mal. J'oublie plein de mots. C'est un dégradé de Squirrel's Yarn qui m'avait été offert par Marie-Amélie quand j'étais partie de Paris et que j'étais redescendue sur Grenoble.
Et donc je savais pas quoi en faire, je les avais depuis un moment, ça devait faire, du coup ça faisait 3-4 ans que je l'avais, ce gradient, c'est comme ça qu'on dit. Et là je me suis dit, bah, c'est parfait parce qu'en bord de plage, l'eau elle est plus claire et plus on va dans les profondeurs, plus le coloris est foncé. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de les utiliser. Donc les chaussettes homard qui sont très très mignonnes. Et je me suis rendu compte l'autre fois quand je faisais un tri dans mes chaussettes, j'ai beaucoup de chaussettes où je suis pas exactement à la même hauteur de tige. C'est mon gros défaut, c'est que j'utilise pas de contre-rang. Et du coup, je fais un peu les trucs à l'instinct des fois. Et au final, bah, j'ai pas mal de chaussettes où il manque un rang, où j'ai un petit rang de différence. Bon, c'est pas dramatique, hein, les gens vont pas le voir de manière flagrante. Donc voilà pour ces troisièmes chaussettes. Ensuite, quatrième chaussette. Pareil, donc c'est toujours un modèle de chez Lissandre que j'avais réalisé en test pour elle. J'ai commencé en mars 2023, mon Dieu. Et je viens de les terminer début décembre. En fait, j'en avais réalisé une dans son intégralité et je n'avais pas fait la deuxième. Comme pour le test, Lissandre avait surtout besoin des informations sur une chaussette pour que je puisse lui transmettre. Je ne m'étais pas pressée à faire la deuxième. Mais du coup, sur celle-là, typiquement, j'ai pas exactement la même tension. Du coup, comme je ne les ai pas tricotées à la même période. Et en plus, j'ai un rang de plus, il me semble. Ça se rattrapera sur un bocage. Donc, toujours une chaussette en jacquard. J'étais vraiment dans une folie jacquard sur les 6 premiers mois de l'année. Et là, on est sur une thématique d'automne. Et donc, le nom de ce modèle-là, c'est Automne en forêt, justement. C'est un patron de chaussettes qu'elle a sorti dans un recueil, enfin en collaboration avec les laines Katia. Et c'est leur laine United Socks. Donc, moi, j'avais utilisé 4 coloris différents. Est-ce que je les ai bien notés? Je les ai bien notés, tout va bien. J'ai utilisé le coloris beige, le coloris ocre, le coloris vert et le coloris marron. C'est le nom, hein, des coloris que vous pouvez retrouver sur le site de Katia. C'est une paire de chaussettes que j'ai tricotées en 2,5 puisque c'est du jacquard. Et j'ai tricoté la taille S. Sur celle-ci, j'ai tricoté la taille M. Et sur celle-ci, c'était 64 mailles. Donc pour en revenir à ces chaussettes de Lissandre, du patron de Lissandre, Automne en forêt, c'est plein de motifs super mignons. Donc on a un motif champignon, des petites flèches, des noisettes, petites flèches à nouveau des petits champignons, des petites croix, écureuils, des espèces de lierre, champignons à nouveau, et puis on finit par un motif de feuille qui est très 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 joli. Je sais pas si le point il se fait comme il faut, là c'est bon. Donc c'est vraiment du jacquard tout du long, toujours le même principe de construction, on va monter nos mailles en German Twisted Caston, côte semi-torse, talon à gousset renforcé. Donc la même construction que sur les autres. Et comme pour les chaussettes sapin, les diminutions du gousset, on les fait ici, à l'arrière de la chaussette. Au niveau de ces chaussettes, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, la laine, elle est quand même beaucoup moins douce que des laines de teinturière indépendante ou que la Javol de chez Lang. Par contre, elle a l'air d'être plutôt chaude et elle est quand même moelleuse. Donc, je pense qu'elle va être agréable également à porter. Sur ce modèle-là, j'ai également fait du jacquard tissé. Hop. Mais je vais arrêter de le faire, le jacquard tissé, parce que ça joue vraiment sur l'élasticité. Et du coup, le tissu, enfin, la matière, elle est quand même beaucoup plus épaisse. Donc, j'en ferai plus du jacquard tissé à proprement dit. Par contre, j'utilise la technique du jacquard tissé pour croiser mes fils maintenant. Hop, donc je tiens un fil dans chaque main. Et en fait, bah, je vous montrerai une fois comment je fais. Je filmerai ça une autre fois. Donc voilà, vous voyez du coup le tissu. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, c'est dur à faire sortir, mais le tissu il est quand même beaucoup moins élastique que sur un jacquard classique. Bah écoutez, on a fini sur les chaussettes jacquard, sur la quatrième paire en jacquard. On va enchaîner par deux autorayantes que j'ai tricotées. Que j'ai tricotées sur beaucoup de mois. Parce que les chaussettes cottage que je vais vous présenter tout de suite, je les ai démarrées quand? J'ai même pas mis quand je les avais démarrées. Mais ça fait très longtemps que je les ai démarrées. Donc c'est un patron de Marie-Christine Lévesque, ce coup-ci. Patron qui fait partie d'un de ses recueils. Alors je me rappelle plus c'est lequel de recueil, mais il me semble que c'est Botanique, si je dis pas de bêtises. Quoi qu'il en soit, c'est le modèle cottage que vous pouvez également acheter à l'unité sur la page Ravelry
de Marie-Christine ou sur son site internet. Je l'ai tricoté en 64 mailles en aiguille 2,25. Et donc il y a une première particularité de ce modèle, c'est d'avoir une très jolie dentelle. En fait, on fait un montage. Comment on appelle ça déjà ce montage? C'est un montage un peu spécifique. Un montage festonné, elle appelle ça. Donc on commence par le haut de la chaussette, on va faire ce fameux montage festonné qui fait un peu des petites vagues là, en haut. Ensuite, donc on a une dentelle, alors, vous voyez pas très bien du coup sans la transparence, hop. Mais on a une dentelle qui forme les côtes, et ensuite on passe sur des côtes 3-1 brisées tout le long de la chaussette, et on peut tricoter ça en autorayant ou pas, hein. Moi j'ai choisi de faire en autorayant comme sur le patron. Ensuite, on a toujours un talon renforcé à gousset, avec des diminutions qui sont de chaque côté du gousset, de manière un peu plus classique que ce que je vous ai présenté précédemment avec Lissandre. On tricote tout droit et on termine par la pointe. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à tricoter ces chaussettes parce que c'est rythmé, mais c'est pas compliqué non plus. Donc je vais en refaire, c'est sûr et certain, je vais me refaire des chaussettes cottage. Je vous montrerai ça tout à l'heure parce que voilà, elles sont très belles, elles sont agréables à porter. Enfin à porter, je dis ça mais je les ai pas encore portées. Mais c'est de la laine, donc pour les laines, la principale, l'autorayant, c'est du coloris de bruit des aiguilles. Et c'est une des laines les plus douces que j'ai jamais senties de ma vie. Donc j'anticipe le fait que ça va être très agréable à porter. Mais donc sur celle-ci, le coloris du bruit des aiguilles, c'est, il me semble que c'est le coloris, voilà, The Song of the Odds, le nom du coloris. Et pour le contrastant, j'ai utilisé le reste de mon pull Zaza, donc c'est de la laine de chez By Simon, et c'est le coloris Madame Rêve. Donc voilà pour mes chaussettes cottage, qui sont des merveilles, que j'ai trop hâte de porter. Ensuite, j'ai tricoté une autre paire d'autorayantes. Alors ça, je les ai montées sur un coup de tête absolu. C'était au moment où je suis allée au trail tricot organisé par Cécile, que font mes mains. En fait, j'avais oublié au boulot mes chaussettes en cours, qui étaient les chaussettes cottage. Et du coup, je voulais y aller avec une paire de chaussettes pour trimballer ça plus facilement qu'un gros ouvrage. Et donc, j'avais utilisé ce coloris Rory de chez Le Bruit des Aiguilles. En coloris contrastant, j'ai utilisé une pelote de Javol que j'avais dans un coloris Bordeaux. Et donc j'ai fait des chaussettes à la vanille toutes simples en autorayante en me servant du patron de Chantal, Talou Bobinette. Et le nom du patron, c'est les Turbobinettes. Et donc j'ai démarré, alors ce coup-là, j'ai tricoté en aiguille 2,5 parce que je m'étais trompée de taille d'aiguille. J'avais pris les 2,5 au lieu de prendre les 2,25. Et du coup, j'ai bidouillé le patron pour les faire en 60 mailles. Mais je préfère largement le rendu en aiguille 2,25, hein, au niveau de la définition du point, je trouve ça beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous verrez beaucoup la différence, mais je trouve ça beaucoup mieux. Et donc j'ai fait un talon à gousset renforcé, comme toutes celles que je fais à chaque fois. Et puis j'ai terminé par une pointe classique arrondie. Je fais souvent des pointes plutôt arrondies. Donc voilà, moins de choses à dire sur ces chaussettes-là parce qu'elles sont très simples. Je vais en faire d'autres aussi, hein, des autorayantes classiques cette année. J'en fais pas, je compte en faire aussi pour mon chéri, parce que du coup, j'ai 2-3 coloris qui vont lui plaire. Ensuite, les chaussettes qui ont été tricotées sur un an. Alors, ces chaussettes-là, c'est des chaussettes que j'avais commencé l'année dernière et que je comptais offrir en cadeau de Noël, à la base. Et en fait, j'étais tombée en rade de laine. Alors pour ce qui est du modèle, c'est le modèle de chaussettes sapin de Lissandre. C'est des chaussettes qui se tricotent en épaisseur de fil DK plus mohair, donc c'est même un peu plus épais que de la DK. Et que donc moi j'ai tricoté en utilisant que des restes, donc j'ai utilisé 2 restes de laine fingering et un brin de mohair, donc j'avais 3 fils. Pour les 2 fingering, il y avait de la Flora de chez Drops en coloris rose bonbon. De la Knitting for Olive en coloris blanc cassé, c'était la laine que j'avais utilisée pour tricoter le gilet de mariage de ma sœur. Et la lace, c'est la lace de chez Lang, dans un vieux rose un peu. J'ai plus les étiquettes, j'ai plus rien à vous montrer pour cet ouvrage là, parce que comme c'est vieux, ça traînait de partout. Et donc j'étais tombée en rade de Flora de chez Drops.
Et j'avais fait un petit appel sur Instagram et au final, une abonnée qui s'appelle Flora, donc très drôle, m'avait envoyé son reste. Sauf que Noël était passé, du coup j'avais pas pour l'offrir en cadeau et en fait je l'avais mis dans un sac, je l'avais emmené avec moi au boulot en me disant bah je les tricoterai, je les finirai un jour et j'avais complètement oublié leur existence. Je les ai retrouvés là au mois de décembre en rangeant mon bureau et je me suis dit bon bah faut que je les finisse. Donc je les ai finis et au final je les garde pour moi et je les mets dans ma boîte de bas. Parce que c'est vraiment des chaussettes, donc c'est la troisième fois que je tricotais ce patron de Lissandre. C'est des chaussettes parfaites pour squatter à la maison sur les soirées d'hiver où il fait très froid. C'est vraiment des chaussons, donc je les aime beaucoup. C'est un modèle que vous tricotez en démarrant par les côtes, c'est des côtes de 2 qui sont assez hautes parce que le but est de former un rebord au niveau de la chaussette. Ensuite, il y a motif de torsade de chaque côté de la tige. Donc il y a deux torsades différentes, une grosse et deux petites. Ensuite on va faire un talon qui n'est pas un talon renforcé, qui est un talon un peu différent parce qu'on fait du point mousse ici sur la bordure. Mais sinon c'est un principe de gousset également. Et au niveau du pied, on va être en jersey sous le pied. Et puis on reprend le motif de torsade sur le haut du pied. Et on finit par une pointe classique. C'est des chaussettes que j'ai tricotées en taille S, celle-ci en aiguille 3,5. Donc c'est des chaussettes qui sont hyper rapides, parce que c'est une grande taille d'aiguille pour des chaussettes. Donc voilà, si vous avez de la décale et du mohair, donc vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez surtout pas à les tricoter, parce qu'elles sont vraiment top pour l'hiver. Et pour finir, ça c'est des chaussettes que j'ai terminées tout juste aujourd'hui. Alors je les mets dans ma boîte de bas 2023 parce qu'on est le 1er janvier 2024, donc à un jour près ça va. J'ai juste quasiment fait que les côtes aujourd'hui. C'est un dernier patron de chez Lissandre, c'est le patron des chaussettes exothermiques. C'est un patron qui se tricote en doublant de la fingering et du mohair et qui va avoir la particularité d'avoir une petite dentelle sur le devant du pied. Donc on commence par la pointe pour changer avec un Turkish cast on. Ensuite on va faire les augmentations de la pointe. On va tricoter tout du long en rond pour le pied en faisant le petit motif de dentelle. On va faire des augmentations pour réaliser le gousset. On est toujours sur un principe de talon renforcé. Et puis ensuite j'ai modifié le patron parce que normalement c'est des chaussettes qui s'arrêtent vraiment ici. Donc c'est des chaussettes un peu soquettes avec un rabat double. Pour tricoter ces chaussettes, moi j'ai utilisé 3 minis du calendrier de l'Avent de The Woolly Skin, dont je vais vous parler juste après, et je voulais optimiser mes laines. Donc du coup je me suis dit que j'allais continuer au maximum pour pouvoir optimiser ça. Et puis du coup j'ai fait des modifs également sur le rabat, parce que comme mes chaussettes montent plus, je voulais pas faire le rabat préconisé dans le patron, j'avais peur que ça resserre pas assez et que les chaussettes tombent, donc j'ai fait des côtes classiques 1-1 pour terminer. Et donc je suis très contente parce que j'ai vraiment pour le coup optimisé mes laines. Voilà ce qui me reste des 3 fingerings. Donc c'était 3 x 20 grammes en mini. Il y avait ce coloris, alors comment je vais pouvoir vous montrer, comme ça, ce coloris très beau, ce coloris et un rose, où là j'ai vraiment un mini mini reste. Et donc j'ai doublé avec un mohair de chez Filcolana, que j'avais acheté, j'avais une seule pelote de 50 grammes, et vous voyez il me reste un peu, mais pas grand chose, il doit me rester peut-être 5-6 grammes de mohair, donc c'est en quantité de fil, j'ai utilisé 60 grammes pour faire les deux chaussettes, et à peu près 20 grammes de mohair. Donc voilà, les dernières chaussettes de ma boîte de bas. Je suis contente parce que ça fait quand même des chaussettes hyper sympas. Je vais les mettre comme ceci. Et comme ça, ça pourra faire peut-être une petite photo de couverture pour la vidéo YouTube. Maintenant que j'ai une bonne qualité de caméra, je vais pouvoir faire ça comme ça. Voilà toutes mes chaussettes de ma boîte de bas. Ensuite, donc j'ai préparé un petit peu les laines que j'ai vraiment envie de tricoter en priorité l'année prochaine pour une boîte de bas pour moi.
je vais tricoter en partie des chaussettes qui vont provenir de deux ouvrages. Le Charming Colorwork Socks, qui est un ouvrage de Charlotte Stone qui est très connu. Vous avez déjà vu le voir passer 50 000 fois celui-ci. Moi, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois aussi si vous me suivez sur cette chaîne. De l'ouvrage 52 Weeks of Socks, pareil, je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est un livre qui est publié par L'Aile Magazine, avec plein de designers différentes qui ont créé des patrons. Et pour finir, deux, trois patrons que je vais trouver à l'unité sur Ravelry. Je vais pas vous faire l'assemblage de modèles plus laine tout de suite, parce que tout n'est pas encore clair à 100% dans ma tête. La seule chose que je vais faire en assemblage, c'est pour mes laines en jacquard, parce que l'idée, c'est que pour les patrons que je veux tricoter de ce livre de Charlotte Stone, je compte utiliser mes minis du calendrier de la vente de Woolly Skin. Donc je vais vous insérer une vidéo pour que vous puissiez les voir. J'ai déjà utilisé donc 3 minis, donc il m'en reste 21 à caler dans différents projets. En qualité de fil, j'avais pris volontairement la base Merinos Nylon, donc c'est parfait pour les chaussettes. Mais je ne sais plus si elle proposait différentes bases ou pas, Angélique, de The Woolly Skin. Mais dans tous les cas, c'est du fil propice pour les chaussettes, justement. Et donc l'idée, c'est que j'aimerais utiliser ces différents fils pour tricoter principalement du jacquard. Pour pouvoir réaliser les patrons que j'ai envie de faire du livre de Charlotte Stone. Donc le premier patron que j'ai envie de tricoter, c'est les chaussettes Lavender, qui ont eu pas mal de succès. Et a priori, je pense que je vais pouvoir les tricoter en utilisant ce coloris du calendrier de l'Avent, ou éventuellement celui-ci, qui est un violet un peu plus flashy. Mais je pense que le premier est mieux, d'utiliser celui-ci pour faire les feuilles, enfin oui c'est ça, pour faire les petites feuilles. Je pourrais éventuellement utiliser ce vert fluo, ça fera des chaussettes qui vont être un petit peu plus pétantes. Et par contre, en faisant ça, il faut vraiment que ma base soit blanche 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 pour que ça puisse bien ressortir. Donc j'utiliserai probablement de la Javol de chez Lang. Donc ça, c'est la première idée pour utiliser des mini du calendrier. Ensuite, je voudrais quand même que je vérifie que j'aurai la bonne quantité de laine. Est-ce que j'aurai la bonne quantité de laine? Ouais, elle met pas les quantités. Alors, ça, c'est un gros débat. Sur les chaussettes, celles qui mettent des quantités des chevaux complets, franchement, moi, ça m'exaspère. Mais bref, passer à autre chose. L'autre modèle que j'ai bien envie de tricoter, c'est celle-ci. Donc, c'est celle de la couverture. C'est Tiptoe Through the Tulips. Et donc, l'idée pour celle-ci serait d'utiliser un autre de mes verres fluo, tant qu'à faire, et éventuellement d'utiliser différents têtes de mini différents pour tricoter les tulipes en faisant un peu un principe de rayures au niveau des tulipes. Donc par exemple une rangée de tulipes dans un coloris, une rangée de tulipes dans un coloris, une deuxième rangée de tulipes dans un autre coloris. Et donc pour faire ça, je me dis que ces deux coloris-là, ça pourrait être pas mal si j'arrive pas à les caler sur autre chose. Ça pourrait être vraiment joli. Ou alors, ça pourrait être sympa également dans ces deux coloris-là. Ah, ça serait mieux même. Je pense que je vais partir là-dessus. Ouais. On va partir là-dessus avec le vert. Comme ça. Ça serait hyper sympa. Et du coup, par contre, en coloris principal, je ne sais pas pour l'instant. J'ai éventuellement cet écheveau que j'avais acheté au Trail Tricot. C'est d'une teinturière qui s'appelle la Maison des Fibres. Et c'est un mélange de Merino Superwash, de Yak et de Nylon. Et comme j'ai 100 grammes, je devrais pouvoir faire deux paires de chaussettes avec, surtout s'il y a une partie sur du jacquard. Donc je pense que je vais probablement partir sur ce combo-là. Ouais, ça va être trop beau. Ça va être vraiment trop beau. Et ça me permet... Bon, j'aurai des restes hein, sur les mini, mais je pourrais toujours les recaler dans un petit jacquard un jour ou l'autre. Ça me fait 5 mini. Ça, c'est cool. 5 mini d'utiliser. Ensuite, autre patron que j'aimerais faire de ce livre-là. Voilà. C'est les chaussettes de Saint-Valentin I Heart Socks. Et donc là, mon seul problème, c'est que je pense qu'un mini ne suffirait pas pour tricoter les deux chaussettes.
Donc soit je les fais différentes, c'est-à-dire un coloris pour une, un coloris pour l'autre, éventuellement. Soit pareil, j'essaye de faire un principe de rayure. Mais ça va être plus compliqué. Non, si, ça devrait être faisable. Je peux les faire sur un principe éventuellement de rayure. Non, mais avec des minis, ça va être compliqué de caler ça. Ça va être compliqué. Je vais pas commencer à prendre le risque de me retrouver en rade. On va être raisonnable. On va être raisonnable et pas faire de bêtises. L'autre, par contre, patron de ce livre qui est propice pour tricoter les minis, c'est ce patron-là de chaussettes. Le nom du patron, c'est Midnight in Zermatt. Et donc là, dans l'idée, je pense que ça pourrait être sympa d'utiliser principalement les bleus-verts que j'ai ici et de les tricoter en utilisant comme coloris principal ce 100 g que j'ai de Wool Bags. C'était le coloris de janvier 2023, Winter is Coming. C'est de la laine qui m'a gentiment été offerte par une abonnée. Et comme j'ai 100 g, je dois pouvoir faire deux paires de chaussettes avec. Donc l'idée, ça serait d'utiliser donc ça en coloris principal, ce violet pourpre en coloris secondaire, et en troisième coloris, moi j'utiliserais bien celui-ci. Je pense que ça peut être un mélange pas mal. Ou alors avec le rose, éventuellement. Non. Non, je préfère ça. Mais j'ai un peu peur que celui-ci se fonde trop. Non, on va partir là-dessus. Comme ça, ça va être bien contrasté, ça sera super joli. Et je suis sûre que le jacquard se voit bien. Et le dernier patron, je suis ambitieuse, hein, comme vous pouvez le voir. Je ne suis pas du tout sûre que je réussisse à tous les faire. À mon avis, ça risque d'être un petit peu compliqué. Bah non, parce que les deux autres patrons, c'est des patrons où je ne vais pas pouvoir utiliser les mini. Donc non, ça sera tout pour la boîte de bas 2024. Après, il y a un patron qui, je pense, pourrait être très bien, spécifiquement pour certains coloris. On va voir si j'ai temps de le faire ou pas. Mais c'est celui-ci, c'est les vitamines C socks. Hop. Et je me dis qu'au lieu de faire ça en mode mandarine, alors soit je pourrais en utilisant les coloris un peu corail, mais je me dis sinon que je pourrais éventuellement les tricoter avec ce mini-là ou l'autre jaune pour faire plus des citrons. Donc ça me permettrait de les utiliser. À voir. Ça, c'est pas sûr, donc je les mets pas de côté. Mais donc là, voilà, sur les projets un peu concrets pour l'année prochaine, ça me permettrait déjà d'utiliser 7 mini du calendrier, plus les 3 que j'ai déjà utilisés, ça en ferait 10. Si j'en tricote 10 par an, c'est déjà pas mal sur des chaussettes. Parce qu'après, le reste, éventuellement, je peux mettre ça dans des fades. Parce que du coup, ce qui me resterait, il y aurait ceci sur les tons bleus un peu... Sur les tons corail, il y a ceux-là. Et après, sur les tons jaune-vert, il y a ceci. Donc, notamment ceux du ton corail ou des tons bleus, ces quatre-là, je me dis que typiquement pour un Solaris de Mélanie Berg, ça pourrait être une bonne idée. Enfin, à voir. Là, le but, c'est de parler de chaussettes, c'est pas de parler d'autre chose. Donc, voilà. Déjà, pour la partie chaussettes en jacquard et mini, où là, je vous ai fait des assemblages en direct. Je vais les mettre de côté. Et ça, le but, c'est que je les tricote cette année. Et ensuite, sur les laines que je veux absolument tricoter, il y a ce coloris de chez Arco Iris Yarn. Donc, c'est le coloris navet. Donc, ça venait de ces boxes... Ah, j'ai oublié le nom. C'est sur un manga, mais j'ai oublié le nom, parce que je ne le connais pas en fait. Moi, c'est juste le coloris qui m'a fait craquer quand je l'ai vu. Je vais vous enlever l'étiquette pour que vous puissiez mieux voir. Donc voilà, le coloris navet que je trouve absolument magnifique. Et donc cette laine-là, je vais la tricoter dans un jacquard avec du blanc pour faire les Water for Elephant Socks. Je vous mettrai une petite photo du patron. C'est un modèle que Lysandre a tricoté, que je trouve absolument magnifique. Et je me dis que ça sera parfait pour mettre ces laines-là en valeur. Ensuite, j'ai également très envie de tricoter cette laine de Piraten Voleux, qui est de la laine à chaussettes. Donc, il y a
polyamide et laine. Ça m'a été offert sur un gros envoi d'une abonnée qui a été très très généreuse. Et je l'adore ce coloris. On est sur un arc-en-ciel. Voilà, je ne peux pas dire autrement que ça. On est vraiment sur un arc-en-ciel. Et je pense que je ferai une paire de chaussettes un peu texturée, mais une texture simple. Avec une partie de l'écheveau et après le reste peut-être pour un jacquard à voir, mais j'ai très envie de tricoter cet écheveau sur cette année. Et troisième laine que j'ai bien envie de faire, que j'ai bien envie d'utiliser cette année, c'est la Mondime qui m'a été offerte dans mon calendrier de l'Avent par Juliette. Et donc c'est un joli coloris qui pourrait être pas mal aussi pour l'assemblage que je disais tout à l'heure, au lieu d'utiliser le wool bags. Éventuellement, non, ça va mieux avec le wool bags, on va rester là-dessus. Mais ça pareil, je pense que je vais tricoter des chaussettes un peu texturées avec, voilà. Et j'ai 100 grammes, donc j'ai même de quoi faire deux chaussettes dans l'absolu. Enfin, ouais, c'est ça, j'ai de quoi faire deux paires. Et donc sur les patrons du livre 52 Weeks of Socks, dans les idées que je vais avoir... Quand je parlais de chaussettes un peu texturées, alors typiquement il y aurait celle-ci par exemple, c'est les premières du livre. Il y aurait ces chaussettes-là, Intersection, que j'aime beaucoup. Il y a également les chaussettes Mom in Coffee. Et ça, je pense que pour la laine arc-en-ciel, ça peut être pas mal. Ces chaussettes-là, à mon avis, ça va finir comme ça. Et autre paire que j'ai vraiment envie de faire en priorité de ce patron. Alors, j'ai mis un peu trop d'autocollant. Ah oui, alors ça, c'est si j'ai le temps. Puisque là, je vous ai déjà montré plein de choses. Mais il y a ce modèle de Charlotte Stone que j'aime bien. Qui peut être sympa. Mais c'était pas celle-ci que je voulais vous montrer. Je crois que c'est peut-être les dernières, en fait. C'est peut-être bien les dernières. Ouais, c'est les dernières. C'est le modèle de patron qui est en train d'être réalisé en ce moment par Démaille et moi, Christelle. Coucou si tu passes par là. Et donc, c'est ces chaussettes que je trouve vraiment très très belles. Et donc, pour celle-ci, je pense que ça serait peut-être l'amandime, justement. Soit l'amandime, soit ce coloris, si j'ai assez. Donc, enfin, j'aurai forcément assez. Voilà, je pense que ça peut être une bonne idée. Donc là, je suis très ambitieuse, on est d'accord, il y a peut-être peu de probabilités que je réussisse à toutes les faire. D'autant plus que j'ai aussi des autorayantes que je compte utiliser. J'aimerais bien tricoter quelques chaussettes pour mon chéri aussi. Donc bon, là, c'est mon idéal. On verra bien déjà si je réussis à en refaire 8, comme cette année-là. Ça serait déjà pas mal. J'ai d'autres petites laines de mon stash que je vais vous insérer en vidéo pour que vous puissiez les voir un petit peu, mais je vais pas vous les présenter dans le détail pour ce coup-ci. Je vous les présenterai si jamais finalement je les utilise au fur et à mesure de l'année. En tout cas, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu, que vous avez pris du plaisir à ouvrir ma boîte de bas avec moi. J'ai très hâte de porter toutes les chaussettes. Et puis, écoutez, on se retrouve très bientôt, a priori pour un format vlog, même s'il faudrait qu'un de ces quatre, je fasse peut-être un format podcast quand même pour présenter les derniers ouvrages que j'ai réalisés récemment. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'on se retrouvera rapidement pour une nouvelle vidéo. Je profite également de cette vidéo, pour vous informer que j'ai créé un Discord, si jamais vous n'êtes pas au courant, sur lequel j'ai prévu de mettre le lien de mes vidéos en avant-première pour les personnes qui sont sur le Discord. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous enverrai le lien. Et puis le but aussi, c'est qu'on puisse échanger de manière un peu plus fluide, parce que le problème d'Instagram, c'est que quand on reçoit beaucoup de messages, des fois moi j'en loupe, alors que sur Discord ça va être beaucoup plus compliqué pour moi de louper des messages. Donc voilà, si ça vous dit de nous rejoindre, n'hésitez pas. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer d'excellents moments en tricotant, en regardant mes podcasts. Et puis je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye. Hear me.
myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen.